Bonjour, bonne arrivée. Merci. Tu dis que tu veux te libérer. Bien sûr. Pour avoir la tranquillité, la paix du cœur. C'est ça. Nous t'écoutons. Bien. Moi, je suis Oulaye Dion Yves. Je suis habitant ici. Plus souvent, je vais au Maroc, je fais la navette. Je suis avec ma famille, tout ça ici. Mais dernièrement, je suis allé au Maroc, j'étais là-bas. Et puis, j'ai mon oncle qui était décédé. Donc, du coup, comme tout le monde devait être là, je suis venu à Abidjan. Et puis, il y avait aussi le mariage de ma soeur. Il sait qu'aujourd'hui, quand d'autres vont me voir ici, certains vont venir chez Papa Florence, ils vont voir ma vidéo, ils savent qu'ils vont me connaître. Je suis un homme, franchement, je suis dans le showbiz, je fais des trucs. Donc, beaucoup de personnes me connaissent. Mais quand je suis arrivé à Abidjan, avant de venir, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris. Et puis, je suis venu. Qu'est-ce qui me tirait pour venir à Abidjan? Quand je suis arrivé, bon, pour la veillée, surtout pour les funérailles de mon oncle, moi-même, je n'ai pas été là-bas. Quelque chose m'a dit de ne pas aller. Donc, je ne suis pas allé. Et puis, bon, ils ont parlé de la cotisation. J'ai payé ma part. Et puis, j'étais là. Mais du coup, depuis que je suis là, franchement, quand j'étais au Maroc, il y a ma femme qui m'a présenté quelqu'un qui a souvent mes activités, ça ne marchait pas. Elle m'a parlé de quelqu'un, surtout le papa de sa fille qui travaille avec elle dans son salon de coiffure. C'est un féticheur, en fait. Donc, moi, depuis le Maroc, elle m'a mis en contact avec le monsieur. Et puis, du coup, le monsieur, il m'a dit, bon, ça, c'est un petit problème, il peut m'aider, tout ça. Il a dit, et ça, c'est au moins que tu connaissais Papa Florent? Non, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Donc, du coup, j'ai commencé à parler avec lui. Je lui ai dit, bon, voilà comment les trucs sont, ça, rien ne va. Tout est bloqué. Pendant que je suis venu, au moins, me chercher pour retenir aussi en famille et puis m'occuper de ma famille, tout ça. Mais ça ne va pas. Il m'a dit, bon, ok, ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr, si je peux lui envoyer l'argent, il va payer un bœuf pour pouvoir faire, comment on appelle, ses travaux. Je vais voir que les choses vont marcher. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Du coup, je lui ai envoyé l'argent. Bon, je ne sais pas s'il a payé le bœuf ou pas. Moi, je ne sais pas. Bon, du coup, après, les choses ont commencé à tourner un peu. Donc, chaque fois que j'avais l'argent, il l'envoyait. Donc, je suis venu à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, il m'a dit, pourquoi je ne suis pas venu le voir pour dire à ces trucs, à ces fétiches ou un truc là pour... Pourquoi, que tu es arrivé. Voilà, que je suis arrivé. Et puis, j'ai traîné ici, resté à la maison, tout ça. Ça fait des mois, tout ça. Donc, les génies sont fâchés. Les génies sont fâchés. Voilà. Donc, du coup... Et c'est en ce moment, j'ai commencé à sentir que, bon, j'ai senti des petites maladies, des trucs. Et puis, du coup, ma femme, elle s'est fâchée avec moi. Elle a pris l'enfant. Elle allait en famille. Moi, je suis resté sûr. Donc, je voyais que chaque fois, les choses... C'est... En tout cas, rien n'allait maintenant. Je vais retenir au Maroc. Je ne peux pas. Et de jusque-là, je suis là pour ça. Je suis là comme ça, je suis bloqué. Donc, du coup, je suis allé vers lui. J'ai dit, bon, vraiment, je ne comprends rien. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, non, c'est parce que tu es venu, tu n'es pas venu voir. Mais si tu venais au moins avec une liqueur, une bouteille de liqueur, pour dire au génie que vous voyez, vraiment, chez moi, j'étais au Maroc là-bas, et puis j'ai fait ces travaux, vous avez travaillé pour moi. Bon, et puis, voilà, là, au moins, ils allaient être tranquilles, mais tu n'es pas venu. Il dit, bon, comme c'est ainsi, ok, je suis venu. Je m'excuse, je suis venu présenter mes excuses, voilà. Donc, il faut essayer de parler, et puis bon, ils vont me laisser. Il dit, ok, il faut envoyer l'argent. Donc, je lui ai donné l'argent. Il dit, ok, lui, il va essayer de payer le poulet pour demander pardon au génie là-bas. C'est comme ça, moi, je suis venu à la maison. Donc, je voyais que le truc persistait toujours. Je suis allé encore vers lui, il dit, mais attends, il y a quel problème au juste? Parce que tu m'as dit que tu vas essayer. Il dit, non, que lui, ça le dépasse d'aller voir son grand patron qui est au dîner. Et je suis allé là-bas. Je lui ai expliqué. Il lui a dit, bon, moi je suis venu là, j'ai franchement dit les trucs là. Moi personnellement dit, c'est un peu trop faux pour moi. Donc, je suis venu demander pardon. Voilà, je suis venu demander pardon parce qu'on dit, je suis venu à Abidjan, je ne suis pas allé demander, je ne suis pas venu me présenter, tout ça. Donc, je suis venu demander pardon pour que, bon, les trucs. Il dit, ok. Donc, je suis parti, j'ai donné la somme de 40 000 pour qu'il puisse payer, comme il a dit, il va payer pour lire les trucs. Ouais, pour demander pardon. Voilà, donc, j'ai remis les 40 000. Et puis j'étais là, il était assis avec ces gens avec qui il travaille. Donc on était là chez lui à la maison. Puis il a fait sortir des trucs de son sac, il a déposé, et puis il a commencé à parler. Que non, ah vraiment. Voilà, j'ai vu qu'on faisait ses travaux, il était au Maroc, il est venu, mais comme quand il est arrivé, il n'est pas venu directement. Donc on est venu demander, il est venu demander pardon. Mais chaque fois qu'il gagnait l'argent, il envoyait, quand il avait l'argent, il envoyait à celui qui a Abidjan. Pour qui il m'envoie ici. Mais le gars, il ne faisait pas la commission.
Ah, donc ça veut dire qu'entre eux et les marabouts, voilà. Il y avait la marmaille. Voilà, la marmaille. Donc, du coup, donc il a compris que celui qui me faisait les trucs là, il était faux. Donc, il ne faisait pas le point. Donc, c'est comme ça. Moi, je suis allé vers lui. Et puis, j'ai commencé à expliquer tout. Donc, il a compris que moi, je ne suis pas. Voilà, fautif. Je n'ai pas fautif. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il a commencé à parler à ce truc. Il a demandé pardon, tout, tout, tout. Et puis, maintenant, j'ai dit, bon, j'ai fait un jour, le lendemain, j'ai dit, bon, je revenais sur Abidjan, puisque c'était mon but d'aller demander pardon, puis revenir. Donc, quand je revenais, il a mis des trucs dans deux bouteilles d'eau et dans deux bouteilles de choses. Comme les bouteilles de Awa, il a rempli de médicaments dedans. C'est des liquides quoi, que je dois me frotter pour dormir. J'arrive la nuit, il frotte sur moi et puis je dors. Et puis il a donné un truc que je devais mettre au rein. Bon, quand je quittais là-bas, franchement, quand je partais, depuis un moment, franchement, je veux donner ma vie à Dieu en fait. Et donc, ta tête n'est plus ici. Voilà, ma tête, au fond de moi-même, je ne suis plus dans la chose. Donc, comme c'est devant lui, je ne peux pas refuser. J'ai pris les choses. Je suis venu avec Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai mis ça une fois d'abord sur moi. Quand j'ai fini de mettre la nuit, ça sentait trop. Donc, du coup, c'est pas parti avec moi. Le lendemain, j'ai tout versé dans le WC, j'ai tiré l'eau. Et puis le truc là, la corde qu'il m'a donnée là, il m'a dit si je veux mettre ça, de me coucher. Et puis je mets, c'est en tout cas, c'est que la journée là, c'est que je veux avoir l'argent, tout ça. Bon, j'ai trouvé que c'est trop sale, cette fois là. Moi, j'ai quelqu'un, j'aime bien m'habiller, j'aime bien, en tout cas, j'aime être classe là. Donc, les trucs comme ça, ça n'allait pas. Et puis quelque chose au fond de moi me dit, tu fais quoi même? Donc j'ai compris qu'il y a Dieu qui est en train de m'appeler en fait. Il y a Dieu qui est en train de m'appeler. Mais comment, je ne vois pas encore. Donc du coup, j'ai jeté les cordes, tout ça, j'ai tout jeté. Donc j'étais là, puisque la maladie, au fait quand tu me vois, quand on me voit, je suis en forme. Mais au fond de moi, je suis malade. Souvent je suis là, j'ai les vertiges. Quand je marche, j'ai l'impression que je vais tomber. On me dit c'est mon taux de cholestérol. Quand je vais à l'hôpital, souvent le battement de cœur, si j'allais en cardiologie, on dit il n'y a rien. En tout cas, j'ai fait tous les examens, il n'y a rien. Mais chaque fois, c'est la même chose qui se répète. Je deviens faible, je vais tomber, tout ça. Donc, un jour, j'ai une amie avec qui je connais depuis le Maroc. Elle aussi, elle est déjà ici. Donc, c'est un jour, on causait sur Facebook. Elle dit mais il y a longtemps, je ne te vois pas. Elle dit je suis là, mais c'est parce que je ne me sens pas bien. Elle dit ah, d'accord. Tu as quoi? Elle dit ah, vraiment, moi, c'est un bon, mais quand je suis là, je me sens faible, puis après, mais je prends un médicament, c'est toujours la même chose. On a fini de causer comme ça, et puis après, c'est passé. Et puis, une fois, elle m'a écrit, elle dit, est-ce que tu vas bien? J'ai dit, ah, voilà, je ne vais pas bien. Franchement, je ne vais pas bien. Elle dit, bon, pour faire, tu vas venir, on va aller chez un homme de Dieu, à Popoui. Il dit, ah bon? Ok, il n'y a pas de souci, si c'est une affaire de Dieu, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, franchement, j'ai besoin de délivrance, des trucs comme ça. Elle dit, ok, il faut venir. En tout cas, il est bon. C'est comme ça. La première fois, il voulait venir. Je n'ai pas pu venir. Deuxième fois, je n'ai pas pu venir. Il y a eu toujours des empêchements. Troisième fois, moi-même, je me suis levé. Puis je suis venu. Quand je suis arrivé, je l'ai vu. Je suis venu chez papa Florian. Ils ont fini de lui dire, nous installer les premiers, les nouveaux qui viennent. Donc, il a parlé, il a vu les témoignages, tout, tout, tout. Donc, après ça, j'ai pris le lait, j'ai commencé à suivre les trucs, j'ai pris les éléments. En tout cas, j'ai fait les puges. C'est très fort. C'est très fort, hein? Oui, c'est très fort. C'est très fort. Ça a commencé à dégager. J'ai fait la prière dessus et puis j'ai commencé à. En tout cas, ça a dégagé des choses. Bon, comme c'était fort, là, d'abord, je suivais ça. Premièrement, je suivais ça chaque deux jours. Parce qu'il m'a dit de faire chaque deux jours, de laisser au moins un jour au milieu et puis j'ai fait. Donc, j'ai fait ça au moins deux, trois fois. En tout cas, j'ai commencé à sentir quelque chose, un changement. Et puis, du coup, bon, il y a eu un déblocage. Rapidement, d'une manière, et puis un coup, j'ai relâché. Un coup, j'ai relâché. Et dans ça encore, il y a ma femme qui dit, ah, vraiment, comme tu ne te sens pas bien, toujours, tu parles de... Bon, il y a ma soeur qui est malade, elle a fait un accident. Il y a une chose, comment on l'appelle? Il y a un monsieur qui va le voir, là, il est bon. En tout cas, il travaille, il fait les trucs avec les feuilles. Tu vas boire, tu laves avec ça. Donc, je suis parti. Quand je suis parti, le monsieur, il a consulté, il a regardé les trucs. C'est un marabout, en fait. Il a regardé les trucs. Il a dit que non, il y a la famille qui est dedans, c'est-à-dire du côté de mon papa. Mais mon papa, lui-même, n'est pas dedans, mais ses frères. Il y a une jalousie qui est là, tout ça. Donc, c'est eux aussi, ils sont sur moi, ils me fatiguent. Donc, il va me donner quelque chose, mais il avait ça, canari. Il m'a donné canari, il a mis des trucs dedans. Je suis venu avec ça à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, d'abord, elle dit le gaz est fini. Donc moi-même, en fait, ma tête n'est pas dessus, en fait.
Elle dit, le gaz est fini. Donc, quand elle a dit, en même temps que le gaz est fini, là, moi-même, j'ai dit, ah, ok, c'est pas un problème. Donc, il n'y a plus le canari, elle s'est allée jeter dans le caniveau. Donc, le monsieur, il m'a appelé, elle s'est lavé le truc. Il a dit, non, comme tu as dit, il ne faut pas quelque chose qui est comme fer va toucher le canari, là. Si ça touche, c'est que c'est gâté. Donc, il a dit, ah, moi, j'ai oublié, il s'est allé mettre le canari, là, dans ma mythe. Donc, c'est gâté. Il dit, ah, tu as gâté. Alors qu'il t'a donné au moins près de 30 000 pour médicaments. Moi, mais c'était pour moi-même. Mais comme je sais que tu souffres trop, j'ai plus pour te donner. Mais tu dis que. Il dit, ok. Donc c'est comme ça encore. C'est-à-dire que chaque fois, quand elle me guide, au fait, elle aussi, elle ne sait pas ce qui se passe en fait. Donc moi, je ne maîtrise pas la chose. Donc elle me dit, faut aller, il y a tel monsieur ici, allons le voir, on s'en va. Bon, ça ne me passe pas tout dans la tête. Donc j'ai dit, bon, est-ce que ce n'est pas mieux? Je vais suivre les éléments de Papa Florian. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à suivre à ce temps-là. J'ai commencé à suivre. Mais je me dis, il faut que je me libère, il faut que je dise tout ce qui se passe en fait. Comme ça, si l'homme de Dieu doit prier pour moi, au moins il est au courant de ce qui se passe et puis il sait comment prier. Donc vraiment, je suis venu pour être, je suis venu faire une confession et puis en même temps être délivré de tout et de tout parce que je suis venu tisser un lien même direct avec le Dieu de Papa Florian. Ok, voilà. On croit qu'après cette confession, tu ne vas plus faire marche arrière. Non, mais c'est pas ça. Tu vas plus aller à gauche à droite. Non. Que le Dieu de Papa Florian t'assiste. Amen.